Salut à tous! Merci encore pour les 3000 personnes qui ont regardé les deux vidéos d'Eliott et moi en faisant du sport pour le renforcement et le cardio. Donc, à nouveau, on va vous proposer d'autres vidéos. Merci encore pour tous vos messages de soutien, etc. pendant cette dure période. Allez, on lâche rien, on y va. Ciao à tous! Go! Vive le sport! Bonjour à tous, donc Nicolas, coach sportif. Je vais vous proposer une séance d'abdos gainage et de renforcement musculaire. Non, non, juste d'abdos gainage. C'est pas grave. Salut à tous, moi c'est Nicolas, coach sportif et préparateur physique. Je vais vous proposer une séance d'abdos gainage avec mon fils Elliot. Salut! Ça va durer 12 minutes. Donc vous allez enchaîner deux exercices de suite sans temps de pause. Donc 30 secondes chaque exercice. Et ensuite, on aura 1 minute de récupération. Pour ceux qui sont un peu plus sportifs, vous ferez les variantes que je vous propose, c'est-à-dire 30 secondes le premier exercice, 1 minute le deuxième exercice et 30 secondes de récupération. Pour les gens qui débutent ou qui sont d'un niveau un petit peu moins élevé, on vous proposera avec Elliot 30 secondes de travail et 30 secondes un deuxième travail pour le deuxième exercice et ensuite 1 minute de récup. Voilà. C'est bon pour vous? Allez, à tout de suite! Et bien voilà, on va se préparer pour le premier exercice. Donc je rappelle, on va enchaîner un exercice, puis un deuxième, le premier 30 secondes et le deuxième entre 30 secondes et 1 minute suivant votre niveau. Et après, on aura 30 secondes de récup ou 1 minute pour les débutants. Le premier exercice, il va être au sol. Je vais me mettre en position genou relevé. Je vais pousser dans mes mains et dans mes genoux. Donc les genoux là-bas, les mains là-bas, fortement. Et je tiens pendant 30 secondes. T'es prêt, Elliot? Allez, c'est parti. Voilà, j'essaie de garder le dos bien droit. Je serre mes abdos. J'essaie de vouloir toucher mes épaules au sol. Mais il est difficile, celui-là. Voilà, si vous voulez que ça soit un peu moins dur, vous poussez moins fort dans vos genoux. Voilà, et on essaie toujours de tenir les 30 secondes. Donc s'il faut pousser moins fort, vous poussez moins fort. Vous avez le chrono à côté de vous, vous pouvez bien voir. Voilà, et après on se retourne pour une planche. Allez, Eliott. Donc une planche sur les mains ou sur les coudes, c'est vous qui voyez. Voilà, je serre bien mes abdos, je serre mes fessiers. Je regarde une ligne devant mes mains et je garde la tête dans le prolongement de la colonne. Je lève un tout petit peu les jambes, les fesses et les... Non, creuse. Voilà. Là, très bien. Et on reste. Allez, il reste quelques secondes pour les débutants. Ou les enfants. Voilà. Les enfants et les débutants, et ben vous soufflez un petit coup. Les autres, vous essayez de tenir. Vous pouvez varier la planche sur les coudes ou sur les mains. Allez, on y est bientôt. Ah, ça commence déjà à piquer. Donc là, on a fait le premier round. On en a encore 5. Donc, on va faire deux variantes du prochain exercice. La variante où je garde ma jambe au sol, un pied au sol, et je me relève. D'accord? Et l'autre variante où je vais garder la jambe décollée. Voilà. Donc, les débutants, Elliott en place. Les débutants et les enfants, ils vont se mettre avec pieds au sol, jambes au sol. Et ceux qui sont un peu plus entraînés, vous allez faire comme moi, on va décoller les jambes. Allez, c'est parti. Voilà, chacun fait à son rythme. Objectif, tenir les 30 secondes. Donc, je serre bien mes abdos. Je finis en regardant loin devant. Je ne mets pas la tête en arrière quand je descends. Et tu regardes loin devant. Regarde ta tête droite. Voilà. Tu vois, tu regardes là, droite. Voilà. Allez. Voilà, les plus entraînés. On passe à la planche sur latérale. C'est avec parti, je. latéral. Voilà. Mais Hop pour les là. plus entraînés. Et 30 secondes pour les enfants ou Ta les tête débutants. bien droite. Voilà.
Donc j'essaie de garder mon coude au-dessus de mon épaule, au-dessus de l'épaule et tout le bras allié. Voilà. Oh bah ça pique. Hein. Oh oui, oui, oui. Voilà. Pour les plus entraînés, bah, vous essayez de tenir comme moi la minute. Bon, je suis un peu essoufflé. D'habitude, c'est moi qui coach et qui ne fais pas les exos. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Oh, ça va piquer. Je vois déjà qu'il y en a qui vont se régaler devant la vidéo en me voyant souffrir un peu. Miam, miam. Voilà. Voilà. Donc là, on va faire tout le même enchaînement en changeant la jambe. Donc moi, je change. Je profite bien de mes 30 secondes de récup. Ça va? Ouais. Allez, on souffle un petit peu. Donc ceux qui vont être de niveau un peu plus entraîné, on gardera la jambe décollée. Les autres, vous garderez la jambe décollée et puis l'autre jambe pliée. Pliée là, l'autre jambe, il est. Voilà. Et là, c'est parti. Voilà, je finis en regardant loin devant. Je ne mets pas ma tête en arrière. Chacun va à son rythme. On essaie de tenir les 30 secondes. Allez, on y va. Ouais. Allez. Voilà. Et maintenant, on fait la planche de l'autre côté. On est bientôt à quelques secondes pour les débutants et les enfants. Encore. Pour ceux que c'est vraiment difficile, vous pourrez faire une petite variante en vous mettant le genou au sol d'un côté comme ça. Sinon pour les autres, vous essayez de garder cette variante là. Voilà, buvez un coup pour ceux qui récupèrent. Allez, encore quelques secondes. Voilà. Allez, il y a tout. On recule un petit peu. Donc là, on a 30 secondes de récupération. Vous pouvez profiter. Là, ça va être un exercice un peu plus pour le dos. Donc, je vais me mettre au sol. Et je vais faire Superman. Donc, la poitrine décollée. Le bas des cuisses décollé, les pieds décollés. Et je vais tenir 30 secondes. Et après, je passe sur 30 secondes ou une minute de planche dans l'axe. Voilà, vous êtes prêts? Et là, c'est parti. Le roi des bananes. Le roi des bananes, eh ben viens. Allez, on tient, on serre bien les fessiers, on serre les abdos et on contracte le dos. Allez, là on attaque notre quatrième round. Voilà, là c'est parti pour rester 30 secondes ou une minute en planche. Voilà, si vraiment ça ne va plus du tout, vous êtes sur les genoux, d'accord? Si ça ne va plus, c'est un petit peu difficile? Ouais. Voilà, bah, tu fais sur les genoux, sur le haut de la cuisse là, tu vois. Tends un peu, voilà. Et les autres, vous restez en position genoux tendus sur les coudes ou sur les mains. Regarde tes mains, voilà. Regarde tes mains. Voilà. Les débutants, vous pourrez une petite pause. Les autres, vous essayez de continuer un petit coup. Voilà, comme vous l'entendez, on a la campagne. Il y a quelques coqs qui nous encouragent. Merci le coq, Elliot. Allez, on tient, on tient. Voilà. Il nous reste deux rounds. Donc quatre exercices. Le prochain, je vais garder soit les pieds au sol, soit les pieds décollés. D'accord? Ensuite, je vais mettre les mains devant moi. Je vais descendre un petit peu vers l'arrière. Et après, je vais tourner à droite, à gauche.
Voilà. Je peux soit suivre mes mains, soit regarder devant. Voilà. Mais vous essayez que ce ne soit pas juste vos bras qui tournent de chaque côté. C'est bien votre buste en entier. Voilà, vous profitez encore de la récup. Et là, c'est parti. Voilà. Donc, on va à son niveau, à son rythme. Là, c'est le cinquième round. Donc, on fait cet exercice-là suivi de la planche sur le dos. Là, vous allez sentir, c'est vos obliques. Tu le sens, Eliott? Si vous sentez trop au dos, vous redressez un petit peu. D'accord? Et si ça va, vous redescendez un petit peu. C'est vous qui gérez. Vous faites à votre niveau. Voilà, facile, 30 secondes. Maintenant, je me mets sous les coudes. Je contracte les fessiers et les abdos. Et je regarde au ciel là-bas. Tu peux regarder le plafond, Eliott. Et la voilà. Planche du dernier round, ce sera quoi? Voilà. Allez, on tient. Voilà, allez, on est à 30 secondes bientôt. Allez, tout le monde essaie de tenir. Voilà. Les débutants, vous faites une petite pause pour préparer votre dernier exercice. Si vous avez soif, vous pouvez. Les autres, on essaie de tenir encore 30 secondes. J'avoue, ça commence à piquer un peu. Hein. Allez, allez, on tient, on tient, on tient. Ouf, ouf, ouf. Dernier petit exercice. Je vais me mettre à quatre pas tout seul. Dans le niveau 1, je vais juste décoller mes genoux du sol, comme Eliott va faire, bien largeur de ton bassin. Voilà. Et dans les autres, vous allez tendre la jambe alternativement, lentement. Ok? Maintenant, on profite de la récup. Faut profiter. On profite, on profite. Allez, c'est parti. Voilà, et là, tu gardes les deux pieds au sol. Et moi, tranquillement, je passe de l'un à l'autre. Voilà. Allez, là, si tu peux, tu descends un peu tes genoux au ras du sol. Voilà, et tu tiens. Tu respires bien. On pense à respirer par la bouche et à expirer par la bouche. Pourquoi pas par le nez? J'expliquerai plus tard. Voilà. Et maintenant, on finit par la planche. Sur les genoux, sur les mains. Non, allez, on a 30 secondes ou une minute. Allez, vite. On serre bien ses abdos, les fessiers, le dos. Oh, ça fait quand même mal à un peu aux muscles aussi. Bah, tu peux remonter un petit peu, ça va. Comme ça fait pas tout à fait les muscles. Voilà, les débutants, vous faites une petite pause. Pour terminer tout votre bloc, le premier. Et les autres, on essaie de tenir encore. Oh, ça pique, hein. Voilà. Allez papa, c'est fini. Voilà, il faut dire que le premier enregistrement n'avait pas marché. Donc là, c'est notre deuxième tour. Bon, moi je suis crevé. Voilà, donc pas d'excès non plus, hein. Faites-le à votre niveau. Là, vous avez fait un bloc qui a duré 12 minutes. Pour les plus entraînés, vous pouvez aller jusqu'à 3 blocs. Pour les enfants, les débutants, un bloc, ça suffit déjà. Ça a travaillé ou pas? Ouais. C'est bon? Ah, il a fait ses abdos. Allez, à ciao pour la prochaine vidéo. Salut, salut à tous.